Antenne, il lui faut une équipe de soins et que personne n'entre dans cette pièce ou n'en sorte. Condamnez l'accès. Attendez, c'est moi. Mais restez pas là, sortez. Je voudrais quand même savoir s'il a des chances de s'en sortir. Tu vois, la ville est plus grande que je ne l'imaginais. Ça a été la panique générale aujourd'hui à Aladdin, pendant le meeting politique qui se déroulait au ranch de McAlpha. Les rapports de police restent flous, mais il est fortement question d'une tentative de meurtre sur la personne du sénateur King qui mène une campagne pour sa réélection. Un inconnu a été blessé par balle alors qu'il venait de déclencher un feu d'artifice. Oncle Rick. Voici quelques images de cet accident survenu il y a quelques heures. C'est mon oncle Rick. Ton oncle? Non, non, il n'y a pas de temps à perdre. Il a été blessé et c'est ma faute. Doucement, doucement. Il était certainement parti à notre recherche. L'inconnu a été conduit d'urgence à l'hôpital. À moins qu'on ameute toute la presse, je doute que les gens sachent que ton oncle vient d'une autre planète. Oui, mais ils vont très vite s'en rendre compte à l'hôpital. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Sa formule sanguine, mais complètement inconnue. La structure moléculaire, la couleur, c'est totalement incohérent. Il faut lui faire une transfusion. Qu'allez-vous lui injecter? Je n'en sais rien, j'ignore à quel groupe il appartient. Vous l'avez pris pour un assassin? Oui. Seulement, ce n'était pas une arme qu'il tenait. J'ignore ce qu'il est en train de faire. Il avait ça dans la main. Et je ne sais pas ce que c'est. Nous devons faire quelque chose. Il faut à tout prix le sortir de là. Oui, mais comment faire? Je n'ai pas de solution. On pourrait aller là-bas et demander à le voir. Non. Je vais essayer de trouver une idée. Qui est-ce? Ce sont Lys et Tin, les personnes que nous cherchions. Sois tranquille, ils vont s'en occuper. Il faut peut-être leur dire pour ton oncle. Ils pourraient t'aider. Non. Ils ont déjà couru suffisamment de risques. Conservez soigneusement toutes les indications données. Elles peuvent nous mettre sur la voie. Mais encore faut-il qu'ils vivent suffisamment longtemps pour que nous puissions les déchiffrer. Qu'avez-vous dit à la police? Je n'ai encore rien dit. Il faudrait peut-être avertir quelqu'un. Qui? Qui va savoir ce qu'il y a lieu de faire dans une telle situation? Ces signes vitaux semblent s'affaiblir, mais en fait, nous ne savons pas à quoi ils ressemblent chez cet individu. Je ne dirai rien à la police tant que je ne serai pas plus avancé. Envoyez une équipe sur place. Je n'arriverai à rien tout seul. Dire où il est? Ce bâtiment est truffé d'appareils électroniques. C'est difficile d'y pénétrer mentalement. Bon, attends. On va voir comment on peut faire. Alors là, j'ai exactement 10 heures. On va attendre qu'il soit exactement 10h30. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde, ce sera plus facile. Tu crois qu'on peut le sortir de là? Grand-père dit toujours qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans restriction. Du moment qu'on ne dit pas que c'est impossible. Il y a 2 jours, j'aurais pas cru à ton existence. Au peuple d'une autre planète? Non, à toi. Bon, allez, une fois qu'on aura fait sortir ton oncle Rick de là, on va réussir. Mais que se passera-t-il? Tu vas repartir? Thank you.
dans une chambre derrière ce mur. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Je sais que vous avez tout fait pour me secourir, docteur. Hélas, vous ne pouvez strictement rien pour moi. Vous n'avez rien à vous reprocher. Non, écoutez, monsieur, à présent, je dois partir. Je dois m'en retourner auprès des miens, sinon je crains que personne ne puisse plus jamais m'aider. Mais ça ne serait pas prudent dans votre état. Kirby, il faudrait une ouverture. Mais c'est pas la peine d'en faire trop. Je regrette, vous êtes trop faible pour partir. Docteur, j'ai suffisamment de force pour y arriver. Mais... Ok ? Où est-ce qu'il s'est passé? Trop tard. Tous à vos voitures. En quarantaine, hein? C'est réussi. Clarick. Ne t'inquiète pas. Il faut conduire mon oncle dans un endroit sûr. T'en fais pas, je m'en occupe. Pour rien. J'ai cru que t'étais mort. Ça ne dit vraiment rien de faire un rapport là-dessus.